Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc là, je vous fais la vidéo. Bon, il y en a beaucoup qui disent que c'est patché. Donc c'est la vidéo, c'est argent immobilier. Donc vous allez faire le glitch des appartements. Mais là, ça va être pour tout le monde. Donc j'ai la méthode pour que tout le monde y réussisse. D'accord? Vous voyez l'emplacement 4, 5, 6. Sur ce personnage-là, je vais lui mettre les appartements qui sont pas chers. D'accord? Prenez les appartements à 25 000, vous inquiétez pas, deux places. Vraiment le moins cher, vous perdez pas vos véhicules. Sans problème, faites-le. Donc la manip pour que tout le monde réussisse. Si ça marche pas avec votre personnage 1 qui a les appartements pas chers et le 2 cher, vous inversez. Personnage 1 appart cher et personnage 2 appart pas cher. Et là vous réussirez. Ça veut dire que vos personnages, il y en a, ils sont buggés, vous n'allez pas réussir. D'accord? Là ça marchera. Vous avez ma parole. Donc il sera bon pour tout le monde. Donc on dira que c'est l'after patch. Là, je suis trop content. Je suis content de vous rendre service et que ça fonctionne. Donc les gars, vous voyez la fille, c'est les appartements pas chers. Là, je vais sur le garçon, appartement cher. On va aller vous montrer ça. Que je vais acheter tous les appartements chers. Donc c'est l'emplacement 4, 5, 6, pareil. Mais avec les appartements de luxe. Donc vous avez des appartements à 1 million, l'autre à 900 000 et 900 000. Ok, donc respectez bien les étapes et après vous allez l'enchaîner, vous allez gagner 1 300 000 je crois environ à chaque manipulation. Ça veut dire en gros en 10 minutes vous gagnez 1 300 000 et ça sera compté dans vos activités. Vous n'avez pas de limite de temps ni de vente. Vous allez pouvoir faire ça jusqu'à temps que ça soit patché. Donc demain c'est dimanche, profitez-en à fond. Voilà, je compte sur vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, les gars. Un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et j'espère que vous allez m'écrire un message pour ceux qui n'ont pas réussi de toute la journée de me dire, les gars, ça y est, maintenant ça marche. Voilà. Donc tous ceux qui ça fonctionne, j'aimerais un petit message de soutien, de me dire comment ça s'est passé. Voilà, combien vous avez gagné, les gars. Ça nous intéresse tout ça. Savoir comment on vous a aidé. Donc là, je suis sur mon personnage 1, mais moi j'ai inversé aussi parce que j'y arrivais pas. Donc mon personnage 1, c'est lui qui a les appartements les plus chers. Peu importe si vous faites l'un ou l'autre, il faudra que vous trouviez lequel il marche. Là, vous voyez, je vais dans les appartements de luxe, je les ai déjà achetés. Donc vous voyez l'emplacement 4, 5, 6. Il faut que ça soit absolument ces emplacements. C'est les seuls garages qui buguent. Vous pourrez faire le glitch. Vous pouvez pas acheter sur l'emplacement 1, 2, 3. D'accord? Pour ceux qui connaissent pas, c'est ces emplacements-là. Donc si vous n'avez pas tous les garages remplis, vous achetez des pas chers 1, 2, 3. Et le 4, 5, 6, vous achetez les plus chers. Voilà. Et vous allez gagner la différence. Quand vous allez les racheter avec des appartements à 25 000, vous allez gagner la différence d'argent. Et vous allez faire ça en illimité. Les gars, il est énorme ce glitch. Accrochez-vous à ce glitch. Et il y en a beaucoup qui le savent, que ça rapporte beaucoup. Et vous n'avez pas de risque de bannissement, rien du tout. Donc une fois que vous avez acheté les appartements chers, vous allez sur celui qui a les appartements pas chers. Donc tout se passera maintenant avec celui qui a les appartements pas chers. Celui qui a les appartements chers, il servira plus trop à grand-chose. Juste à faire bugger après quand on aura les menus. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, on va se mettre avec la fille. On va retourner en online et on ira en histoire. Pas couper le chargement.
Donc là, c'est les préparatifs. Vous voyez, c'est assez facile. Après, vous le faites qu'une fois, ça. Après, vous aurez juste à vendre. En fait, les prix du personnage qui a les appartements chers, les prix vont se transférer dans votre personnage où c'est pas cher. D'accord? Les prix seront buggés et c'est là que vous allez gagner la différence de cet argent. Là, maintenant, avec ce perso qui a les appartements pas chers, vous allez en mode histoire. Donc, prenez Franklin. Pardon, je dis des bêtises. Évitez Franklin. Franklin, il bug mal. Prenez Michael, c'est le top. D'accord? Donc, essayez de débloquer vos joueurs si vous les avez pas. Vous avez pour 20 minutes à faire quelques missions et débloquer tous vos joueurs. Une fois que vous avez vos joueurs, vous êtes au top. Donc une fois dans le mode éditeur, on va lancer le mode éditeur. D'accord? Donc vous faites ou pavé tactile, le gros menu là, le menu de gauche, mode éditeur. Il faudra être dehors. Ou alors vous sortez le téléphone et vous avez une application là qui vous envoie le mode réalisateur. Donc là, c'était le patch d'un ancien glitch argent immobilier. Ils vont vous envoyer dans le prologue. Vous inquiétez pas, le prologue, on va le débloquer. Le prologue, c'est le braquage. Vous savez, le braquage tout début. C'est normal, c'est pas longtemps qu'ils ont mis ça, c'est un patch. Donc ce patch-là, il sert à strictement rien. Voilà, le braquage, vous laissez un peu s'installer, faut pas être pressé. Vous laissez un peu s'installer, vous allez avoir un petit menu en haut à gauche. Moi j'attends ce menu. Ensuite, vous appuyez sur Options. Vous allez dans Jeu, Chargement. Et là, vous allez charger une sauvegarde, d'accord? Donc le mieux c'est celle d'en haut, c'est la plus récente. Vous allez cliquer sur ça vous fait sortir du prologue. Vous allez retourner en mode histoire. Et là, on va pouvoir attaquer le glitch. Donc le glitch, il est très facile. Si vous respectez les trois étapes environ qu'il y aura à faire, ça va marcher nickel. Voilà. Et ça marchera pour tout le monde. Une fois que vous êtes en mode histoire, là vous allez encore une fois relancer le mode éditeur, mode réalisateur, pardon, ou du téléphone, ou avec le pavé tactile. Ah, vous voyez comme ça, là, et vous cliquez sur le mode réalisateur. Une fois ici, vous allez mettre, donc vous allez dans paramètres. C'est la deuxième ligne. Vous allez mettre matin. Donc horaire matin. Voilà. Et en cas, vous mettez munitions explosives. D'accord? Si vous n'avez pas d'armes, c'est bien. Comme ça marchera avec un pistolet. Et ça sera au plus simple. Ensuite, vous faites rond. Vous revenez dans le menu casting. Et vous faites accéder le mode réalisateur.
Une fois dans ce mode réalisateur, vous avez des balles explosives, d'accord? Prenez le pistolet avec vos balles explosives. Vous vous mettez à tirer par terre, donc regardez un petit peu la distance. Hein. Donc là, vous visez. Vous restez appuyé sur le bouton option. Hein. Dès que vous allez tirer, vous allez lâcher option. Il va falloir que vous voyez juste l'impact par terre et que votre menu start y sorte. D'accord? Donc là, j'ai fail. Parce que le menu start, je l'ai lâché trop tard. Donc c'est quasiment au même moment. Donc là, je reviens dans le mode réalisateur. Et vous pouvez enchaîner, c'est pas grave si vous ratez. Là, je vise par terre. Donc, je suis en munitions explosives. Je vais mourir. Il faut que je reste appuyé sur option. Je tire et je lâche option. Il va falloir que mon menu start me protège. D'accord? C'est là qu'il est le glitch. Et là, vous n'avez que ça à faire. Donc, essayez d'être synchro. Vous verrez qu'au bout de 2-3 fois, vous allez réussir. Vous voyez là l'impact comme ça a fait? Vous aurez un petit bruit comme un bruit de canette. Là, vous allez en ligne et vous allez lancer le mode éditeur. Et là, le glitch, c'est là que vous allez voir si vous avez réussi. Faut pas que ça me tue. Vous allez voir la cinématique là. Là, vous voyez, je suis debout. Donc, comme si j'étais invincible et ma munition, elle a explosé. Donc là, si je suis invincible, je sais que j'ai réussi. Et là, j'aurai deux menus, un dans l'autre. OK? Et c'est là que je vais aller dans récent. Vous cliquez récent. Vous faites flèche du bas. Une fois flèche du bas, X. Là, vous voyez, ça va vous faire ça. Ça va vous remettre le même écran, sauf qu'il y aura mode réalisateur en haut. Là, maintenant, vous allez appuyer sur Options. Vous allez en ligne. Et vous allez sur Choisir personnage. Voilà, là, le glitch, il est fait, les gars. C'est 1 300 000 dans la poche. Donc là, maintenant, il va pas falloir se manquer. Suivant le personnage que vous avez choisi, vous allez choisir le personnage qui a les garages chers, les appartements de luxe, les appartements chers en 4, 5, 6. Donc moi, ça va être le gars. D'accord? Vu que j'ai inversé, j'arrivais pas dans l'autre sens. J'ai inversé pour réussir la manipulation. Donc je vais choisir celui-là. Et de choisir celui-là, ça va me mettre un menu quasiment infini. Et Rockstar va me bloquer à un moment, il va dire vous avez un problème de connexion, on peut pas vous faire parvenir à ce joueur en ligne. Là, vous avez juste à suivre les étapes. Si vous avez fait le bug jusqu'à maintenant, le glitch il est fait. On a juste à l'encaisser l'argent. Donc là, vous voyez, vous attendez le menu. Pas le menu infini, mais bon. Menu long. Et bah, vous allez avoir un message qu'il va falloir accepter. Vous acceptez ce message. Là, dès que vous allez avoir la femme, vous faites PS4 et vous allez fermer le jeu maintenant. Là, on ferme le jeu complètement. Vous allez dans fermer l'application. Maintenant, on va redémarrer notre jeu. Et surtout, n'oubliez pas de spammer L1 R1. D'accord? On va faire un recalibrage pour aller en ligne. Donc là, vous voyez la fille. D'un coup, il va avoir un écran noir. Et c'est là, on spamme L1 R1. Spammer, ça veut dire où vous restez appuyé sur L1 R1. Ou vous appuyez plusieurs fois. Vous avez le choix. Là, il faut appuyer là. Appuyez sur L1 R1.
Jusqu'à la prochaine cinématique. Là, vous spammez encore. Appuyez, appuyez, appuyez. Voilà, jusqu'à là, ça va aller. D'accord? À peu près là, jusqu'ici au chargement, ça va être bon. Et ça va vous mettre un gros carré de recalibrage. Alors, vous augmentez votre luminosité. Et ça va vous envoyer en mode histoire directement. Vous n'aurez pas le choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va vous aider. Parce que je sais qu'il y en a plein qui disent c'est patché, ben non, c'est pas patché. Vous avez juste à changer, à inverser vos personnages. C'est vos personnages qui vous ont bloqué. Voilà. Moi, j'ai eu le même problème, je sais de quoi je parle, et je sais ce qui vous est arrivé, quoi. Vous n'avez aucune possibilité de le réussir en restant avec vos personnages comme ça. Voilà, donc avec un peu de temps, on trouve des solutions. J'espère, si je vous ai débugué, j'aimerais bien que vous me le disiez en message, ça fera plaisir. Ça fait toujours plaisir d'aider quelqu'un. Voilà, donc là maintenant on n'a plus qu'à aller en ligne, on va choisir un joueur en ligne, ils vont nous faire signer une charte, d'accord, charte Rockstar, vous cochez la case et vous acceptez. Et là maintenant on n'a plus qu'à aller vendre nos appartements chers avec des appartements les moins chers, encore une fois. Donc rappelez-vous que mon joueur féminin, il avait des appartements pas chers à l'emplacement 4, 5, 6, d'accord? On est bien d'accord. Donc c'est là que vous allez voir le résultat du glitch. D'accord? Maintenant, sur ce joueur que je vais vous dire, les emplacements 4, 5, 6, ils ont le prix des appartements chers comme mon joueur masculin. Donc 500 000, etc. C'est buggé, en fait. Il y a eu un transfert de prix sur l'autre personnage. Et je vais en profiter pour les revendre. Voilà. Donc je prends des garages à deux places pas chers et je vais écraser les appartements chers. Donc en fait, si vous regardez bien, il n'y a que le prix qui a changé. Le nom est toujours le même. D'accord? C'est toujours le nom des garages à deux places. Là, vous allez dans Dynasty 8. Vous allez la trier par prix. Décroissant. Croissant plutôt. Voilà, vous voyez là, l'appart à 25 000. Et je vais écraser les emplacements 4, 5, 6. Et là, vous regardez l'argent. Je gagne la différence de cet argent. En gros, j'ai gagné 1 400 000. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous continuez. Là, vous avez fini. Vous retournez en histoire. Vous faites votre braquage. Vous faites option. Vous retournez dans la caravane. Et vous faites pareil à l'infini. D'accord? Plus besoin de vous occuper du personnage qui a large les garages chers. Puisque lui, il les aura chers tout le temps. D'accord? Donc les gars, profitez bien de ce glitch. Moi, je vous dis, je vous l'avais annoncé. Il est là. Il est tout beau, tout neuf. Voilà. Et vous allez tous le réussir, les gars. Grosse bise à tout le monde.
Bienvenue sur la chaîne, je vous le répète. Et pensez à vous abonner et mettre à la cloche. Comme ça, vous aurez les glitches en temps et en heure. Ciao tout le monde, à bientôt. Thank you.